messieurs, bonsoir et bienvenue à l'auditorium de l'école secondaire Joseph Hermance Leclerc. Afin d'assurer la sécurité de tous, nous vous demandons de bien vouloir repérer la sortie située la plus près de votre siège. Celle-ci se trouve au milieu de la salle de chaque côté. Par respect pour les artistes et les spectateurs présents, nous vous demandons de bien vouloir éteindre vos appareils électroniques et d'éviter les conversations pendant tout le déroulement de la présentation. Finalement, veuillez noter que ce spectacle sera présenté sans entracte. Bonne soirée à tous. Il faut être chaud, il faut faire du bruit, il faut briser la cabale parce que les gens sont en arrière et ont hâte d'embarquer sur scène pour vous montrer leur talent. C'est la finale de secondaire en spectacle. Moi, Kevin Raphaël, en tant que porte-parole, je suis fier. Eux sont fiers. Le Québec en entier est fier. Allons-y parce que le spectacle commence maintenant. Non, pas tout de suite, tu fais pas assez de bruit. Je t'ai demandé de faire du bruit. Le spectacle, fais du bruit. Bonsoir tout le monde, comment ça va? Yeah. Je me présente, Félix Bérard, je suis votre maître des cérémonies ce soir. Cette année, ce sont 11 élèves de l'école qui auront l'opportunité de s'épanouir sur scène, de faire des apprentissages significatifs et d'expérimenter le monde du spectacle. Ce soir, deux élèves sont choisis par les membres du jury pour représenter l'école Joseph Hermance Leclerc lors de la finale régionale qui se déroulera cette année, le 25 mars, à l'École d'éducation internationale de McMasterville. Tous les numéros qui vous seront présentés sont en compétition pour l'une de ces places. Soulignons la présence des trois membres du jury, qui ont la lourde tâche de déterminer les lauréats de la soirée. Il s'agit de Mme Nazia Dumas, technicienne en éducation spécialisée et lauréate de secondaire en spectacle en 2009. M. Bernard Bonjour, enseignant de musique retraité qui a œuvré durant de nombreuses années à JHL et musicien émérite qui maîtrise plusieurs instruments. Ainsi que Mme Hélène Brodeur, enseignante de ballet depuis plus de 30 ans, représentante provinciale de ballet Tchéquiti au Canada et technicienne en laboratoire. Le gagnant des finales régionales s'attaquera une place pour le rendez-vous pan-québécois, qui se déroulera cette année à Laval, du 1er au 4 juin 2020. Il s'agit du plus grand rassemblement d'artistes amateurs du secondaire au Québec. Voici d'ailleurs une courte vidéo promotionnelle de l'événement. La soirée sera agrémentée par l'équipe d'animation, qui court elle aussi la chance de se rendre à la finale régionale, ainsi qu'au rendez-vous pan-québécois. L'équipe d'animation est Léo Charpentier, Simon Cyr, Samuel Graveline et Étienne Parra. La soirée sera directive pendant les courtes transitions techniques, et ces courtes transitions techniques seront effectuées par les jeunes techniciens de ce soir, qui s'assureront du bon déroulement du spectacle. Les jeunes techniciens de ce soir sont Charles-Antoine Brisson, Antoine Morin, Chantéry Renaud, Hélène Rivard et Julien Bourgard-Messier. Je tiens aussi à remercier les organisateurs qui, tout au long du processus, ont aidé à structurer et organiser le spectacle de ce soir. Il s'agit de Mathis Grégoire, Coralie Girard, Devon Laflamme, Isabella Martinez-Mendoza.
Le service apporté que vous avez eu de la sens si vraiment pour venir apprécier et encourager l'énergie de nos jeunes artistes. Bon spectacle tout le monde. Nous sommes en 2023. La situation au Québec est catastrophique. La culture québécoise fut complètement détruite par l'influence anglophone et celle des youtubeurs français. Résultat, des niaiseux comme Donald Trump sont élus président. La situation devient urgente. Il faut donc trouver une escouade pour inculquer notre culture à plus de 8 millions de tatas. Le gouvernement du Québec se tourne vers la plus grande puissance provinciale, JHL. Et c'est ainsi que le 23 février 2023, l'équipage du Saint-Pout-Pout monte sur scène pour explorer leur culture jusqu'aux confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis les pieds. Hugo Timarino de la classe Indigo. Il vous interprétera trois chansons. Il y a Interstellar par Hans Zimmer, Experience par Ludovico Einaudi et Another Love par Tom Odell. Thank you.
pour sauver le Québec. Aujourd'hui, ils sont rassemblés les meilleurs, la crème de la crème de nos écoles. Je vous les présente. Oh non. Moi, là, je suis pas là pour le voyage en espace. Non, 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 non. Moi, là, je suis là pour trouver l'amour de ma vie. Moi, je te cherche. C'est un gars beau, avec des beaux abdos, là, pis un beau chest. Des beaux abdos. Tiens, pensez-y, mais tout le monde dit que c'est moi la meilleure des meilleures. Stop! Moi, c'est Kevin. Je te présente. Et Jean-Claude. J'en ai peut-être pas grand-chose dans le cerveau, mais j'en ai en forme dans le pantalon. Checkez bien ça. Oh, oh! Et moi, je suis Mesper! Je vais vous inviter à faire une expérience ultra-sensorielle. J'invite tout le monde ici à coller ses mains ensemble et lever les deux doigts. Et vous venez tous imaginer que je viens insérer une vis, que je visse, que je visse, que je visse, jusqu'à ce que vos doigts soient collés et ne peuvent plus jamais se décoller. Et à mon compte de trois, vos paupières sont lourdes, très lourdes, et vous allez vous endormir. Trois! Reste debout, ça va m'aider. Alors, je viens insérer un ordre dans votre esprit. Dès que je claquerai des doigts, une envie irréprochable de me donner 20 $ vous sera alors transmis. Merci, merci. C'est bon, tu peux te réveiller, t'as fait ta job. Vous êtes sûr que c'était vous les meilleurs? Bon, avec la pénurie de personnel, pas mal obligé de travailler avec. Vous êtes tout pris. Yeah! 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 Poursuivons avec le numéro de danse par Annabelle Perron et Lou Lachapelle. Je veux la voir, mais jamais moi. Je veux le voir.
privilège. Et vont tenter de vous faire deviner un artiste québécois plus ou moins connu, dépendamment c'est quoi ton niveau en culture. Donc, je vous souhaite à tous la bienvenue au 5 Quiz Quiz qu'on fait entrer le premier participant. Moi, mon trip, c'est de rire du monde sans défense. Il y en a que leurs amis, c'est le monde qu'ils rencontrent à l'école. Moi non, moi c'est mon avocat. Il y en a qui passent leurs vacances sur la plage. Moi, je passe mes vacances dans un procès. Tiens, moi je vous laisse, j'ai un procès avec le petit Jérémy. Oh, je l'ai reconnu, c'est Mike Ward. Hey, je suis bien trop bon à ce jeu-là, c'est mon humoriste préféré. OK, on passe au suivant. Bonjour à tous les Québécois et Québécoises. Je viens vous annoncer une triste nouvelle que le 5e confinement va avoir lieu. Suite à plusieurs cas, eh bien, on est obligé de vous mettre en confinement. À partir de 8 heures, vous êtes toutes chez vous. Sinon, vous savez ce qui arrive. Le virus est plus virulent à ces heures-là. Hey, non, on l'a trop entendu, ce discours-là. Scram, on t'a tout reconnu de toute façon. T'es François Legault. Ok, troisième. Le plus fort. Oh! Oh! Hey, ça, c'est du Louis Cyr tout craché! Hey, je suis bête trop fort à ce jeu-là! Il me semble que je devrais l'animer! En tout cas, venez nous revoir à jamais! Ça, c'est juste après un parti politique qui tient ses promesses électorales et juste avant ma grand-mère qui arrête d'être complotiste! À la prochaine, tout le monde! Voici Maverick Pichette qui vous interprétera la chanson Dernière danse par Indila.
Paris, je m'abandonne. Vol, 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 vol. Il y a plusieurs années, un monstre faisait des ravages dans les rues québécoises. Son seul et unique but, manger tous les Québécois et Québécoises, pour ainsi ruiner leur culture. Est-ce le Yéti? Non. Est-ce un Étienne? Non plus. C'est le Yétienne! Et aujourd'hui, la bête fait surface dans les rues du Québec. Si jamais par malheur vous la croisez, il est inutile de courir, car le Yétienne vous rattrapera. Maintenant, voici Nicole Gianantonio qui nous interprète une chanson des Cowboys Fringants intitulée Plus rien. Quelques minutes à ma vie, tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a raconté jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps. Quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père et qu'il tombait encore de la neige en hiver. Et en ces temps, on vivait au rythme des saisons. Et la fin des étés apportait la moisson. Une ombre et l'été coulaient dans les ruisseaux. Vous venez s'arrêter, je voyais Orignon. Mais moi je n'ai vu qu'une planète désolante. Paysage lunaire, chaleur suffocante. Et tous mes amis mourir par la soif ou la faim. Comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Il ne reste plus que quelques minutes à ma vie. Tout depuis quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Tout ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des coups de papier que l'on appelait argent. Ils rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux tuteurs reculant devant rien. Et des potes de troupeaux arrivés à la fin. Et pour se faire une son, ramasser la terre. Polluer les mendiants et tarir les rivières. Et si, des années plus tard, ils en sont levés. Les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Cela ne parlait qu'en termes des profits. Des années plus tard, ils ont vu le non-sens. Dans la panique, on déclare une état d'urgence. Quand tous les océans ont bien utilisé les guérisses et fondations frappées et dégradées. Il paraissait pendant toute une décennie se fêler de la gaille et les désordres. Les tremblements de terre et la grande sécheresse. Tant que les guérisseurs on lisait la détresse. Les gens qui se battent contre les pandémies. Décimés par millions par la trans maladie. Et puis les autres morts par la soif ou la faim. Plus rien. Plus rien.
plus rien. Paris barrière au milieu du désert, dessine dans le dernier humain de la terre. Au fond, l'intelligence comme vous avez donné n'aurait été qu'un beau cadeau empoisonné, car il ne reste plus que quelques minutes à la vie. D'autres plus quelques heures de sang que j'avais mis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité. Possède un QI largement inférieur à la moyenne. Il suffit donc de lui présenter un calcul mathématique au-dessus de ses moyens pour lui faire perdre complètement la tête. 7 plus 3! Cependant, veuillez prendre note que ce procédé pourrait se retourner contre vous. Ah! 3 plus 3! Oh! Une scène de crime! Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? 1 plus 2? Oh my god! Et c'est ainsi que ces deux personnages moururent dans d'atroces souffrances. Continuons maintenant avec un numéro de danse par Lou La Chapelle Plot. Dans mon
destin de mort le dit. Oh, je vais lui refaire la gueule au verset. Rien n'est dans le bon ordre, faut tout inverser. On fête son départ, pas son anniversaire. Suivons avec Alexandre Dauvin et son interprétation de « Si tu étais là » par Louane. Est-ce que ce sont
petits papoutes. Aujourd'hui, on ne vous présente pas n'importe quoi. Le meilleur du meilleur. Des plats directement produits de mon sous-sol, où la magie opère. Commençons dès maintenant avec mon petit premier, les bêtes de sœur. 10 sur 10, je les ai fait manger des bines hier. Continuons avec mon grand-père dans le sirop. Merci, grand-père. Maintenant, continuons avec les oreilles du Christ. Ah! Merci. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire et un pouce bleu. À la prochaine. Voici maintenant un poème intitulé « Toi, Flora ». Veuillez accueillir Noah Genesis Jones. Une fleur, deux fleurs, trois fleurs,
tas de fleurs, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de tes racines, j'ai besoin de ta douceur. Aux fleurs, ignore ma maladresse, ignore ma paresse. Fleurs, j'ai besoin de ta délicatesse. Une fleur dans mon cœur, une grande fleur qui pousse, qui veut chanter. Une branche qui veut sortir, qui me perce la gorge. Tu m'arraches mes écorces, cette barrière de fer qui me protège de tes mots atroces. Ça me pique jusqu'à l'os. Je veux m'arracher la peau, me gratter les os, les frotter, les gruger. Je veux me purifier. Une fleur, deux fleurs, trois fleurs, quatre fleurs. Parfois, je voudrais être aveugle comme vous, pour pouvoir ignorer la famine et la guerre. Mais si je l'étais, est-ce que je voudrais toi? De ta sagesse, de tes mains chaudes, j'ai tellement froid. Fleur, j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de ta voix. Une fleur. Deux fleurs, trois fleurs, quatre fleurs. Je sais que c'est pas ta mère qui t'a élevé comme. Je sais que c'est pas ta mère qui t'a mal élevé. Elle t'a averti des gens comme toi. T'étais juste trop cave pour écouter une fleur, deux fleurs, trois fleurs, quatre fleurs. Tu sais pas à quel point je voulais te frapper. Je voulais que tu ressentes cette boule de feu dans mon ventre, une vague qui veut tout détruire, un tsunami dans ma gorge ou bien un ouragan qui passe et qui repartira peut-être un jour dans un monde un peu moins triste. Une fleur, deux fleurs, trois fleurs, quatre fleuristes me coupent les tiges et m'arrachent les épines. On détruit mes pétales et on cultive mon pollen dans une petite bouteille. On me sépare des abeilles. Dans un monde parfait, je disparaîtrais. Dans un monde parfait, je serais seule. Dans mon lit, à broyer ma vie. Sans abri dans la plus belle création des cieux, où chaque fleur se fait brûler, où chaque idée se fait oublier. Une fleur, deux fleurs, trois fleurs, quatre fleurs. Bientôt, je vais faner, condamnée à une vie et une mort emboucanée. Puis j'aimerais ça avoir une deuxième chance, mais pas si c'est dans un monde sans avenir. La terre, c'est mon enfer. On m'a mis ici, on m'a mis dans cet univers rempli de souffrance. C'était pas par inadvertance. Dieu m'a créé pour me faire souffrir. Dieu m'a créé pour me punir. Puis j'aime Dieu pour ça. Parce que dans un monde rempli de belles tulipes et d'iris, au pouvoir, il a mis des fleuristes. Une fleur. Deux fleurs. Trois fleurs, quatre fleurs. Excusez que c'était vraiment beau. Un mouchoir. Deux mouchoirs. Trois mouchoirs. J'ai échappé le quatrième. C'était poche, ça, finalement? Répète ça? C'était poche! Ah, mon petit mot, ça... Non! Excusez-moi. Grosse publicité, parce qu'on sait que t'as toute bonne chose, t'as tout le temps de publicité pour nous faire chenoute. Je suis vieux maintenant! Je suis vieux maintenant! Avant, je buvais ton verre, maintenant j'ai plus de temps, je bois dans un biberon, fini, d'aller aux toilettes, à ce temps, je fais dans le salon, ouais! Si t'es vieux comme moi et t'as souvent tendance à te lâcher lousse, eh bien, n'aie pas peur, j'ai la solution à tous vos problèmes! Optez pour Pull-Ups, ce dernier absorbe 90% de vos accidents! Oubliez pas de me suivre sur ma page Facebook, j'apprécie très bien ça! Poursuivons avec un numéro de danse solo par Annabelle Perron. Si le monsieur dort dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures. S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues. Si un jour il a disparu, c'est qu'il est devenu millionnaire. C'est qu'il est sûrement sur une île avec un panier dans sa bière.
For
might as well be buried with our shoes and handbags and scarves. I know how to split my wrists to reveal the battlefield too, but the time has come for us to reclaim our bodies. Our bodies deserve more than to be war-torn and collateral, offering this as a pathetic means to say, I only know how to exist when I am wanted. I know I am because I said I am. I know I am because I said I am. Alexis a décidé de participer au concours. Hey, so
Chiki, puis il est vraiment poche à soir, il s'en a même pas répété. Nous autres, on sac notre camp. Alors, Hugo Di Marino va nous jouer une autre prestation. Et l'applaudir avec une grande main d'applaudissement. Les animateurs ont échoué. À place de promouvoir leur culture québécoise, ils n'ont fait que la démolir. Prosternez-vous devant moi. Oh non! Je te laisserai pas faire, toi. Les Québécois sont peut-être pas les plus beaux, ni les plus fins. C'est vrai, ça. Mais par leur culture mérite de survivre. Appelez-moi Capitaine Québec. Je vais utiliser les dernières forces qui sont au fond de moi pour t'expédier au fin fond du trou salietienne. J'invoque le pouvoir des frites, sauce et fromage! Squick, squick! Un autre victoire de la Reine d'Angleterre! C'est bon! C'est fini! On a gagné! Pour l'instant, jeune homme. Mais bien d'autres aventures vous seront encore à venir. La culture est beaucoup trop longue. Il vous faudra la résumer sans mon aide la prochaine fois. À plus! Hey, j'abandonne, oui, là. Hey, c'est impossible de résumer toute la culture québécoise dans un seul spectacle. C'est quoi l'idée, là? Impossible! Ha ha ha.
Les aventures simples de foot. Chacun des membres de l'équipage vécure heureux. Jusqu'à ce qu'il y ait beaucoup d'enfants! Ces petits morveux-là! Tout le monde sait que le bonheur vient pas être des petits maudits! Mes parents sont dans la salle, je suis qu'ils peuvent vous confirmer. Moi, ma job est terminée. Je sac mon camp de site. Mais vous, restez parmi nous pour connaître l'identité du grand gagnant des finales locales de secondaire en spectacle de l'école Joseph Armand Seclair de la région de Montérégie 2023. Mon Dieu, que c'était bien long, ça! Mesdames et messieurs, c'était Étienne Parent, Léo Charpentier, Samuel Gravine et Simon Cyr, vos animateurs. Et on vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Bonsoir, mesdames et messieurs. Pour terminer, j'aimerais remercier tous les partenaires provinciaux de secondaire en spectacle. Le Réseau des unités régionales de loisirs et de sport du Québec, le gouvernement du Québec, la Fédération des établissements d'enseignement privé, la Fédération des commissions scolaires du Québec, Télé-Québec et la Fabrique culturelle, Long & McQuaid, le Festival international de la chanson de Granby, le camp chanson québécois de Petite-Vallée, n'oublions pas nos sponsors locaux, le restaurant La Table à Mots, ainsi que Chaudelin. De plus, on peut passer sous le silence le travail exceptionnel effectué par le responsable dans l'école, M. Hubert Bélanger, qui a été appuyé tout au long par M. Alain Jiquang et M. Francis Guay. Nous tenons également à remercier la directrice, Mme Anne-Marie Bénard, pour son soutien et sa collaboration tout au long du projet. Merci aussi à la coordonnatrice régionale de secondaire en spectacle, Mme Roxane Desmond. Un grand merci aux techniciens, à M. Jason Simon-Bourduer à la sonorisation et M. Patrice Gagnon aux éclairages. Félicitations à tous les jeunes artistes, aux jeunes animateurs, aux jeunes techniciens et aux jeunes organisateurs. Alors, pour patienter la délibération des juges, on a un invité spécial. On a la chance d'accueillir des anciens GH qui viennent nous présenter. C'est un projet solo de Arnaud Quintal est mort et ses musiciens Jean-Philippe Tétreau et Jack Lamontagne. Thank you.
Mesdames et messieurs, et applaudir chaleureusement Arnaud et Marc, les musiciens. Thank you.
finis plus au large avec quelqu'un sur mon dos. La prochaine tune, ben en fait, je vais parler de mon parcours en disant c'est quoi la prochaine tune, of course. Ben je l'ai commencé en couple, puis je l'ai fini célibataire. Yes.
On va patienter pour le gars qui vient de la tuer, qu'on va lui pardonner. Ah, ouais, ça va. C'est à lui, hein.
sans rien dire. Plus je m'en connaisse, plus de temps je m'étourdis et je recommence. J'en perds l'équilibre et j'en recommande. Plus je m'en connaisse, plus de temps. Mais si je passe out puis je t'oublie pas, c'est quoi que ça va prendre? Mais si je passe out puis je t'oublie pas, c'est quoi que ça va prendre? Puis je m'en Je ne sais pas où regarder. Un Q. Je ne peux pas te donner une prise. Je ne vois pas le jeu qui va leur plaire. OK. Ah, ils ont marqué Jack à Justin. Ah, c'est Jack. Correct. Et Jake. Et donc, vous voulez jeter un autre. Je vais avec un autre. Parfait. Vous voulez vous faire un autre? Voilà. Je vais mettre les titres pour cette chanson ici. Je vais laisser Jake à la voix et la guitare et bass pour JP. Yes! Un bon tonnerre d'applaudissements pour Jake! Salut le Grimby, comment ça va? À soir! Ouais? On vous passe une belle soirée avec les finissants de secondaire en spectacle, mais ça n'a aucun rapport. Les personnes qui ont participé à ce grand spectacle. Là. Ouais. Donc, je m'appelle Jake. Dans le fond, je suis la personne qui a enregistré et réalisé le prochain album d'Arnaud qui va sortir éventuellement. Puis, sinon, de mon côté, j'ai un projet qui s'appelle Terre Rouge Essence. J'ai sorti un petit album cette année. C'est très blues rock. Donc c'est ça, on va vous jouer une chanson que sur cet album-là s'appelle « Un paquet de smoke », ce que j'essaie d'arrêter ce soir même. Thank you.
Mesdames et messieurs, nous sommes prêts à savoir qui sont les grands gagnants. Voici Madame Nadia Dumas qui vous présentera les gagnants. Bonsoir tout le monde. Alors, merci beaucoup de votre qualité de présence. C'était vraiment un super spectacle. J'ai mes collègues avec moi, Hélène et Bernard, qui m'ont aidé aussi là, pour déterminer les gagnants de ce soir. J'inviterai tous les participants et participantes à nous rejoindre sur scène, les animateurs aussi. Woo!
l'association, les enseignants qui ont contribué à ce beau spectacle ce soir, donc Hubert, Francis, Patrice également. Et puis, l'équipe d'animation, c'était vraiment excellent. Là, sans eux, je ne pense pas que le spectacle aurait été aussi bien complété. Hein? Donc, je crois que ce soir, c'est important pour moi et pour mon équipe de vous dire que nous sommes vraiment très fiers de vous. C'est tout un processus derrière ça. C'est beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de courage. Ça prend beaucoup d'audace aussi. On dépasse ses limites. On sort de sa zone de confort, mais c'est payant. Fait que sachez que tout le monde, ce soir, sort gagnant. On est meilleurs! Donc, ce soir, on a élu un coup de cœur. Et le coup de cœur, c'est Alexandre Dauphin. Énormément touché, c'est Hugo Di Maria. Donc, bravo vraiment à vous tous. Je ne sais pas si vous voulez prendre une photo avant que tout le monde quitte. Je vois que Hubert est là avec son appareil photo. Je crois que ça pourrait vous faire un super de beau souvenir. Fait que je vais vous laisser entre vous fêter votre victoire. Bravo. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été parmi nous et au plaisir de vous revoir l'an prochain pour une autre édition de Secondaire en spectacle à JHL.